J'ai hâte de me mesurer à Donaldo. J'ai entendu dire que ce gars était déjà une légende. On dirait que le club Palmentieri attend encore son nouvel Edwin. Edwin? C'est qui Edwin? Tu es trop jeune pour t'en souvenir. Mais il était un des plus grands joueurs du monde. Et puis, un jour, il a juste disparu. Qu'est-ce que tu entends par disparu? I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Striker. J'étais tout gamin quand cela est arrivé. C'était la finale de la Super League. Le club Palmentieri était mené 3-0. Mais Edwin a marqué 3 fois et mis les deux équipes à égalité. Ça se joue au tir au but. La Soul marque ses 5 pénaltys. Facile. Edwin devait marquer pour que son équipe reste dans la course. La pression est énorme! Mais il a manqué son tir. On a dit qu'il avait craqué sous la pression. Comme si les 3 buts qu'il avait marqués pendant le match n'avaient servi à rien. Après ça, il a disparu à jamais. Il est passé de 0-0. Donaldo dit qu'il va écraser les Super Strikers avec sa méthode Palmentieri. Ça veut dire quoi? Ah, c'est comme ça qu'ils entament tous leurs matchs. Très rapide et très agile. Aussi précis que des chats. Sur du velours. Comme moi avec les femmes. Tu vois? Don dit qu'il est le meilleur joueur de tous les temps, vous savez? On pourrait lui prouver qu'il a tort. Bon, les garçons, préparons-nous à affronter Palmentieri. Non, maman, je n'ai pas mangé le strudel. Hein? Quoi? Rien ne vaut un bon petit match amical sur la plage. Waouh! Vous avez vu cette foule? Les Super Strikers ne vont rien comprendre. Alors tu crois que tu es le nouveau Edwin, hein? Eh ben non. Je t'interdis de me comparer à Stockard! Il a trahi son équipe et ses fans. Nous sommes jugés sur nos actes. Rappelle-toi ça quand tu perdras ce match. Laisse tomber, man. Garde ton souffle pour le match. C'est un match amical très intéressant qui nous attend. Les Super Strikers sur le sable contre le célèbre Palmentieri. Les Strikers vont-ils s'adapter à la méthode Palmentieri? Foot de rue contre foot de plage? Que le meilleur gagne! Les Strikers donnent le coup d'envoi. Cool Joe mène le jeu. Bouge de là! Oh, ce n'est pas comme ça qu'on joue dans le sable! Et la contre-attaque s'organise! Les Super Strikers devraient se méfier! Les Palms sont des joueurs si techniques et si rapides! Si parfait, oui, tout à fait! Les Super Strikers ne peuvent pas lutter! Ils mangent du sable! Je me demande s'ils aiment également manger du gazon!
Twisting Tiger n'a pas eu le temps de bondir. Au moins, un des Super Strikers a l'air réveillé aujourd'hui. Les autres joueurs semblent avoir du mal à trouver leur appui pour contrer Palmen Thierry. Big Bo relance à la main. On a du mal à danser dans le sable, Dancing Rasta. Oh oh! Attention à ne pas se faire surprendre, Shakes. Ce n'est pas fini, les gars. Pour la victoire, c'est trop tard, mais ils peuvent sauver la face. On se reverra pour le vrai match, Shex. Waouh! J'avais jamais vu un jeu comme le leur. Comment on va faire pour les battre? Nous avons 3 jours pour préparer ce match. Comment apprendre à contrer Palmen Thierry en seulement 3 jours? Ouais, comment apprendre à contrer Palmen Thierry? On trouvera une solution. J'ai réservé le meilleur centre d'entraînement de Rio. On commencera par là. D'ici là, quartier libre. Shakes ! Hein ? Tu t'amuses pas ? Je vois vraiment pas comment vaincre Palmen Thierry. À chaque fois qu'on montait une action de jeu, ils étaient trop rapides. Vous en faites pas, les gars. Amuse-toi, man. Hey ! Stop ! Vous avez besoin de mon aide. Votre aide ? Et moi de la vôtre ? Comment ça ? Viens avec moi, je vais te montrer. Où on va, là ? On y est presque. Salut, papa. Je suis rentrée. C'est fini pour Palmen Thierry. Fini pour Palmen Thierry. Fini pour Palmen Thierry. Salut, ma princesse. Hein ? Edwin ? Je m'appelle Louisa. Voici mon père, Edwin. Papa, voici Shakes, des Super Strikers. Ils ont besoin de ton aide. Impossible, tu le sais. Vous manquez au monde du foot, même si vous pensez le contraire. Vous perdez votre temps. Vous devriez partir. Mais papa, tu ne peux pas rester ici pour le restant de tes jours à te remémorer ce tir manqué. Je suis désolé. Nous avons besoin de votre aide avant le match contre Palmen Thierry. Il y a 11 gars là-dehors qui ont besoin de vous. Et nous sommes prêts à travailler. Si vous nous expliquez la méthode Palmen Thierry. D'accord. À 2 conditions. Vous le ferez ? La première, détermination absolue. Bon, d'accord. Et la deuxième ? Si vous perdez, personne ne doit savoir que j'ai aidé les Super Strikers. Va dire à ton équipe de faire ses bagages et de se préparer à affronter l'enfer. Waouh ! Vous avez vu cet endroit ? C'est tout neuf. Presque aussi impressionnant que mon... Bonjour les Strikers. J'espère que vous avez bien dormi. Vous avez déniché un super endroit, coach. C'est beau, effectivement. Ah, ouais, trop bien, super. Ouais. Content que ça vous plaise. Mais on ne va pas s'entraîner ici. Quoi? Mais... Comment ça? Ben où alors, coach? Dans la jungle amazonienne. Edwin? Hey, oh. Eh oui. Oh, ouais. Je ne sais pas vous, mais mes haltères me manquent déjà. Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a pas moyen de s'entraîner correctement ici. Pourtant, c'est le meilleur endroit possible pour la concentration. La méthode Palmen Thierry est une forme de survie qui marche à l'instinct. Nous n'avions pas de machine perfectionnée de mon temps.
Voici le genre d'endroit pour réveiller les qualités qui sommeillent en vous. Ici, nous allons affûter les armes dont vous aurez besoin pour battre Palmentieri. C'est ici que nous venions, avec Palmentieri, pour développer nos trois qualités majeures. Vitesse, agilité et équilibre. Ok, les enfants, mettez-vous en ligne et écoutez bien. Aïe, caramba! Encore du sable! Pas n'importe quel sable. Ceci est du sable mouvant. Du quoi? Hein? Pour augmenter votre vitesse, vous conduirez le ballon jusqu'à l'autre côté. Il est sérieux? Chase, passe le premier. Moi? Ouais, je crois qu'il est sérieux, mon frère. Ça me va. Vous le prenez trop cool. Voyons votre agilité. Ce parcours d'obstacles naturels traverse la jungle jusqu'à l'autre rive. Vous devrez passer d'un point à un autre en utilisant seulement les rochers et les lianes que vous trouverez. Matador, commence le prochain exercice. Tu dois garder le contrôle du ballon en te balançant sur ce tronc d'arbre. Hey, j'y arrive. Hey, j'y arrive. Oh. Hey, en fermant les yeux. On pourrait croire qu'on n'est pas dans la jungle, mais dans une oasis au paradis. Oh, sans créature qui se faufile entre vos jambes. C'est ça l'Amazone, messieurs. Seuls les plus forts survivent. Plus haut, plus fort, plus vite, plus loin. Beau travail. Je suis fier de vous. C'est un entraînement difficile. À quoi ça sert, ce truc? Gardez la monnaie. Oh? Voilà, incognito. Ça va pas, la tête? Pas besoin de déguisement. On va gagner. Mais ce n'est pas encore le cas. Et puis, vous savez, Louisa et moi, nous vous accompagnons jusqu'au stade. Bienvenue en Super League. Les fans sont venus en masse pour ce qui sera... une nouvelle et épique rencontre de Super League. Allez, les Super Strikers, ils ont aucune chance contre Palmentieri. Donaldo est tellement mignon. Jamais de la vie, je crois que c'est Shex le plus mignon. Je pensais que les Super Strikers seraient rentrés chez eux tant ils ont peur de nous. Et manquer une occasion de prouver que tu ne vaux pas Edwin? Jamais de la vie. Que veux-tu dire par là exactement? Disons seulement que nous nous sommes entraînés très dur depuis le dernier match. Mon seul regret, c'est qu'on ne pourra pas vous faire manger de sable aujourd'hui. Alors, vers quelle équipe penche ton cœur? Papa? Vers la meilleure équipe.
Cette question est sur toutes les lèvres. Les Super Strikers sauront-ils comment battre le club de Palmentieri? Espérons pour eux qu'ils joueront mieux le coup que lors du match amical. Oui, d'autant qu'il y a peu de chances que celui-ci le soit. Amical. Ah, en dépit des rumeurs autour d'un entraînement secret pour ce match, il semble que les Super Strikers jouent leur jeu habituel. Cool. Efficace jusque-là. Pas cool. Mais pour combien de temps? Point précis, cette passe. La balle passe beaucoup trop loin de Shakes. Oh. Défense efficace de Palmentieri. Pour l'instant, c'est Palmentieri qui domine. Les longs ballons ne sont pas la bonne tactique employée aujourd'hui. C'est un festival de dribbles et de passes pour Palmentieri. Bon, ça suffit. Dancing Rasta craque. Eh bien, si vous avez reçu quelque chose sur la plage, Rasta, c'est le moment de vous en servir. Danger pour les Super Strikers. En défense. Ok. Non. But de Palmentieri. Donaldo est vraiment facile sur ce coup-là. Vous vous rappelez notre promesse à Edwin? Allez, détermination absolue. On s'est entraîné avec un des plus grands joueurs de foot de tous les temps. Vous vous souvenez de la jungle? On joue pareil, à la Super Strikers, avec notre cœur. Super Strikers! Voyons si les efforts du capitaine vont mieux payer que précédemment. Cool Joe a l'air de se déplacer avec plus de facilité, c'est certain. Cool Joe pour Twisting Tiger. Oh, Tiger donne l'impression que Palmentieri a les pieds pris dans le béton. Et pendant ce temps, Cool Joe s'est défait de son marquage. Chex prend le ballon. Crochet à droite. Bon, Chex fait une simple pichenette dans le coin gauche. Et but! Ah, quel but des Super Strikers! On a l'impression de voir jouer une autre équipe. Tu crois vraiment qu'on va gagner, c'est sûr. On s'est entraîné dur. Oui, mais... Qui a dit qu'on allait perdre? Messieurs, ce serait vraiment dommage de ne pas vous revoir. Alors, je voulais vous dire au revoir au cas où. Vous êtes tous de très grands joueurs, parmi les meilleurs que j'ai jamais connus. J'ai apprécié chaque minute avec vous. Merci d'avoir cru en moi. Je serai fier de vous, quoi qu'il arrive. C'est un au revoir, ça? Edwin, 3! 1, 2, 3, Edwin! On rentre avec les 3 points à Strikaland. Je ne crois pas. Je vais vous montrer que je vaut mieux qu'Edwin. Les deux jeunes attaquants ont échangé quelques mots. Oh, je donnerais cher pour savoir ce qu'ils se sont dit. Palmentieri a vraiment dominé depuis la mi-temps. Oui, mais reconnaissons que les Super Strikers ne se sont pas laissés faire. Donaldo veut donner le coup de grâce. Mon petit doigt me dit que les Strikers trouvent enfin leur marque. Et le Matador! C'est l'heure de marquer. C'est quand vous voulez, El Matador. Exact, l'heure tourne. Oh, quel geste technique remarquable! Magnifico! Et maintenant, la question est de savoir si Palmentieri pourra stopper l'ardeur des Strikers. Eh oui, la chance tourne. Cool Joe est passé et Shanks est en train de se démarquer. Sable mouvant! Je dois être prêt pour le centre de Cool Joe. Celui-ci est pour Edwin. Quel incroyable but de la part de la nouvelle étoile des Strikers! Mac, je... Les Strikers gagnent! Ils rentrent à Strikaland avec 3 points! Oh yeah, baby!
Jax, c'est ta victoire. Tu as retrouvé Edwin et tu l'as convaincu de nous aider et de se réveiller. Bien joué, mon frère. Qu'est-ce que c'est? C'est Edwin. Edwin, c'est Edwin. Il est revenu. Vous êtes Edwin? Vous êtes Edwin? Tu vois, papa, personne ne se souvient de ton pénalty manqué. Ces trois points, c'est nous qui les ramènerons la prochaine fois. Hey, Donny, je connais un gars qui peut t'aider. Il faut une vie entière pour devenir une légende, man. Oh, faut que je file. On a une fête à organiser pour un type qui s'appelle Edwin. T'as peut-être entendu parler de lui? Rasta, regarde ça. Edwin sort de sa retraite pour aider les Super Strikers. Je crois que nous l'avons aidé aussi. T'as été bon. Vraiment bon. Ok, les Super Strikers, ça suffit pour aujourd'hui. Venez tous par ici. Nous allons affronter notre vieux rival, Invincible United. Croyez-moi, Vince et Scara ne reculeront devant rien pour connaître nos plans. C'est pourquoi notre préparation s'effectuera ici, dans le centre d'entraînement secret. Et pour l'occasion, la sécurité sera renforcée. Wow! Capitaine, premier servi. Merci, coach. À quoi ça sert? Il a gagné quelque chose? C'est la nouvelle carte d'entrée au centre d'entraînement secret. Vous en aurez besoin à chaque fois que vous voudrez entrer. Pas d'exception, ok? Merci, coach. Vous ne devez vous séparer de cette carte sous aucun prétexte. Si vous la perdez, eh bien, je préfère ne pas imaginer ce qui vous arrivera, ok? Merci, coach. Vous êtes responsable de cette carte. Je l'emporterai partout avec moi. J'ai ein Honor. Je vais le garder. Mais où est-il? Ah non, il l'a mis où? Je ne t'en ai pas encore donné une. Oh, c'est vrai. Jour de match à Strikerland et de test pour Ninja et les Cosmos. Tout à fait, Mac. Les Super Strikers sont en super forme. Hey, Scara? De l'Invincible United? C'est moi, Kat. Tu te souviens? Je suis une de tes fans. Oui, Kat. Ça fait un bail. Oui. Je peux avoir ton autographe? Bien sûr. Je ne fais plus de bêtises maintenant, tu sais. Plus de cambriolage. Cambriolage? C'est dommage, tu étais très douée. Tiens, voici mon numéro. Appelle-moi un de ces jours. Oui, oui, je ferai ça, merci. Je dois y aller. À plus. Je voudrais pas être à ta place. Les Super Strikers sont très bien positionnés aujourd'hui. Ils ont toutes leurs chances de gagner s'ils continuent comme ça. Tiger! Bolo s'est montré assez passif sur ce coup-là. Ah, je crois que la course de Twisting Tiger se termine ici. Assez vite, vous avez vu ça? Quel contrôle au milieu de terrain! Il donne le tournis à Ninja. Twisting
Justin Tiger passe la balle à Cool Joe. C'est du 2 contre 1. Passe à Shakes. Quel but de Shakes pour prendre avantage sur les Cosmos. 1-0. On dirait que l'entraînement secret des Super Strikers se ressent sur le terrain. C'est le dernier match des Super Strikers avant qu'on les joue. J'espère que vous prenez des notes. On dirait un skieur qui slalome. C'est bouché de partout. Coup du sombrero de Dancing Rasta. Les Super Strikers semblent surprendre les Cosmos à chaque action. Bolo devrait s'acheter du popcorn et s'asseoir à l'ombre. Il a Cool Joe démarqué à l'entrée de la surface. Quelle boulette canon, le gardien n'a rien vu venir. On dirait que les Cosmos sont un peu dans la lune aujourd'hui. Ils démolissent les Cosmos? Comment c'est possible? La réponse se trouve dans leur centre secret. Ils ont pris d'infinies précautions pour nous garder à l'écart. Il doit y avoir une raison à cela. Exactement. Notre plan est simple. Pénétrer dans cet endroit. Donc la question est, comment on y rentre? Il nous faut une de ces cartes. T'as pas une idée? Non. Si. Les Super Strikers et l'Invincible United sont tous deux à l'isolement. C'est le bout du chemin, avec pour l'une des équipes la victoire et pour l'autre la tristesse. Entre ces deux équipes, ce sera une lutte à mort. C'est bien simple. En ce moment, il semble plus facile de décrocher la lune que de battre les Super Strikers. Mais si une équipe peut le faire, ce doit être l'Invincible United. Tu vas voir, je suis sûr que ça va marcher, t'inquiète pas. Ce soir, repos. Rendez-vous au centre secret demain matin. Ne soyez pas en retard. Il faut que je rentre tôt, je dois me reposer. Je vais devoir travailler dur demain à l'entraînement. Allô? C'est Scara. Scara? Il est temps pour toi de ressortir ton costume de cambrioleuse. Je suis pas intéressée. Écoute, tu vas rencontrer plein de joueurs de Super League. Pas des joueurs de seconde zone, mais des joueurs de Super League. Mais si ça ne t'intéresse pas... D'accord. Pourquoi pas? Je connais de pires façons de passer la soirée. Mon invitation VIP en partant de chez moi. Hé, hey, bonsoir. Comment va la plus jolie femme de la soirée? Pas très bien. Je crois que j'ai perdu mon pass VIP. Eh bien, on dirait que c'est ton jour de chance, dis donc. Alors? Vous êtes bien un Super Strikers? Eh ouais, en chair et en os. Waouh! Shake sera là aussi? Le coach l'a cédé à une autre équipe. C'est vrai? Non, il est là-bas. Je le tiens. Tu veux danser? J'aimerais, mais je sais pas danser. Oh, allez, viens. Shakes, je reviens tout de suite. Ne t'éloigne pas. Trop facile. Super.
nous le centre d'entraînement secret. Ne te fais pas prendre. Et n'oublie pas ton oreillette. Et ne... N'oublie pas ton oreillette. Je sais pas pourquoi je fais encore ça. Pour lui? Je me rappelle maintenant pourquoi je l'aime pas. On change de plan. Jouer. Maintenant, sors de là. Amusez-vous bien. J'en ronronne de plaisir. Qu'est-ce que c'est? Vous émettez en direct sur Strikers TV, mais vos rivaux ne voient pas ce que vous voulez qu'ils voient. Intéressant. Hola, mis amigos. Il y a de l'amour dans l'air. Ah, plus maintenant. El Matador, attends. J'ai perdu ma carte. Aïe, 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 aïe. Ok, les gars, restez groupés. Super tir, Shakes. Invincible United, préparez-vous à la surprise de votre vie. Donne-moi ça. Trop facile. Comment tu as dit que tu l'avais perdu déjà? En fait, je l'ai peut-être juste laissé chez moi. Tu ferais mieux de la trouver avant que le coach sache que tu l'as perdu. Shakes! Peut-être que c'est mieux que je fasse comme si je ne te le connaissais pas. Hein. Viens avec moi. Que faisais-tu ici hier soir à minuit? À minuit? J'étais dans mon lit. Je dormais. Alors, qui a ta carte d'accès? C'est ce que je pensais. L'Invincible United nous espionne. Si tu vois une solution, Shex, je serai dans mon bureau. Vous émettez en direct sur Strikers TV, mais vos rivaux ne voient pas ce que vous voulez qu'ils voient. Coach! C'est... très bon. Il y en avait combien? J'ai compté... 1, 2, 3. 12 signaux différents vers Shakes. Pendant le match, on va le priver de ballon. Quoi qu'ils essaient de faire. Jour de match à Strikerland et grosse bagarre entre ces deux monstres de la Super League.
Un rien pourrait faire pencher la balance en faveur de l'une ou l'autre de ces deux équipes. Regardez un peu ce que notre Kat a rapporté. Il me semble qu'elle essaie de se fondre dans la masse, on dirait. Kat s'est peut-être servie dans la boutique des supporters quand elle était dans le centre secret. Indépendamment de ce qu'ils savent, on reste concentré et on joue physique. Ça va marcher, les gars. Vaudrait mieux que ça marche. À trois. Un, deux, trois, Super Strikers! Les Strikers ont le contrôle du ballon. Dancing Rasta commence à remonter le terrain. Il est surprenant de voir les Invincibles jouer autant en défense aujourd'hui. Marquage strict sur lui et préparez-vous pour son crochet à gauche. Rasta pour Shakes. Excellente anticipation de la défense. Ouh, le strike a mort la poussière. Comme prévu. Où que Shake se retourne, il est cerné. Comme si l'invincible United lisait dans ses pensées. J'espère que les Cosmos prennent des notes. Ouais, on dirait que United connaît chaque truc des Strikers. Shake va avoir de la compagnie. Deux joueurs, c'est de la compagnie. Là, on parle de foule. Oh, Shakes n'avait aucune chance avec cette foule. Les Super Strikers tendent un piège à United ou ils sont vraiment mauvais? Invincible, United presse fort sur le flanc gauche. Quel sauvetage de Big Bo! On ne passe pas. Et c'est la mi-temps! À ce stade-là du match, on peut dire que si l'invincible United avait moins joué en défense, ils auraient été bien plus créatifs. Nous vous retrouvons dans quelques minutes après ces quelques messages. Oh, faut que j'aille aux toilettes, moi. Allez, dégagez le passage! Ça ne sert absolument à rien de connaître leur stratégie si on ne marque pas. Vous gaspillez toutes les occasions, là! Il faut que je remplace toute l'équipe, ou quoi? Notre plan a l'air de marcher. Mais il faut montrer maintenant à United qu'ils ont regardé la mauvaise chaîne. Tu es prêt, fiston? Shakes se dépense sans compter aujourd'hui. Et on dirait que Dancing Rasta vient d'inventer une nouvelle danse. Le message du capitaine des Super Strikers est clair. Il nous fait le coup du joueur de flûte et passe à Twisting Tiger. C'était quoi, ça? Marquez-le! Non, lui! Adios! Au revoir, Shakes. Bonjour, El Matador. El Matador est complètement seul! Oh là là, quel but! Qu'est-ce que vous faites? Il l'utilise comme un leurre! Couvrez-le! Non! Non, lui! Joue-t-il en 4-4-2 ou en 4-3-3? La défense, vous me recevez? Dancing Rasta me sentir! Et c'est dedans! Et but! 2-0 pour les Strikers! Mais quelle action! Quelle action! Shakes est en pointe! Dancing Rasta à l'attaque. Il passe à Twisting Tiger. Non! 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 C'est en train de mal tourner. En position et fin prêt, Captain. Non! Faut pas y aller! Il vous détourne des autres! Marquez-les! Je crois que United a un peu oublié Shakes. United est à la merci des Super Strikers. Magnifique! Quel but! Quel but, mes amis!
Vous avez bien joué, les... On aurait dû vous dominer aujourd'hui. On connaissait vos tactiques, on connaissait vos codes. Oui, c'est vrai. Le grattement du crâne, celui du menton, de l'épaule. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par « oui, c'est vrai » ? Tu veux dire que tu ne savais pas que nous savions que vous saviez ? Mais... comment ? On a trouvé votre caméra cachée. Alors, on vous a juste donné ce que vous attendiez. Nous avons intercepté le signal et nous l'avons modifié pour diffuser nos anciens codes, tout en travaillant sur de nouveaux. On vous a bien eu. Et comment avez-vous su pour la caméra ? Je crois que vous avez sous-estimé notre sécurité. Quand on triche pour gagner, on perd. Coach, je promets de ne plus perdre ma carte. Je suis sûr que tu as raison. Huh?